أعزائي السلامي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم راحين نتكلم فيه ولا راح ندير لكم فيه اون بروجيكسيون اكريت. ولا بروجيكسيون اكريت تجي هذه بزاف في الباك، وجات في كاين موضوع درتو لكم في القناة، هو تكتب موضوع حول شخصيه ولا اون بيرسون بيرسوناليتي هيستوريك. دونك هنا جبت لكم ان اكزامبل هو زيرو يوسف. دونك جو في فو لير باش تعرفوا شنو المعلومات اللي تحطوهم دون سو جونغ دو سوجي. الوغ الابوراسيون دي باراغراف، دونك سي ان باراغراف كي ديجا الابوري، جوست نقراه لكم ونشرح لكم. الوغ يوسف زيرود او بيان زيرود يوسف né, donc nous de la date de naissance, il y a une parce que c'est un texte d'histoire. Donc né le 18 février 1921 dans le village Smendou, au nord-est de Constantine, et mort à Sidi Mzrich le 25 septembre 1956. Il y a la projection de sujet qui m'a ولكن تقدروا يعني ديروا اون كوليكت دانفورماسيون سيغ بيرسوناليتي وتكتبوا موضوع كيما هذا، سي اونكور ميو يعني. وبو لي جون لي عندهم دي ديفيكولتي لي ما يقدروش خلاص سي بوف با يكخير، يعني يقدر يحكي موضوع كيما هذا ويحفظوا ويكتبوا يدي عليه نقطة، باسكو ما كوبي ما والو، راهو حافظو، راهو إلي دون سا تيت. ألوغ Sidi Mzrich, le 25 septembre 1956, dans un accrochage avec l'armée française, est un responsable du FLN, Yanni Msoul, le Hizb Jabhat Tahrir al-Watani, combattant pendant la guerre d'Algérie dans le nord constantinois. Parce que Zirud Youssef, il est du nord constantinois, qui est une chute dans le Chemel, le Qassantani. Jeune, il fréquente l'école coranique en parallèle des cours qui suit à l'école primaire française. Il y a des gens qui ont fait le madrasa al-Qur'aniya et en parallèle, il y a des gens qui ont fait l'école primaire française. Après avoir obtenu le certificat d'études primaires en langue française, quelqu'un a dit le certificat d'études. Il quitte l'école en raison notamment de la limitation qu'imposaient les autorités coloniales françaises aux enfants musulmans. Yani, malheureusement de l'école parce que les Français كانوا limiter le nombre d'élèves et diru عدد محدد يبقى في المدارس. C'est pour ça la الخرج باش يراتي هو. Youssef Zirout a adhéré dès l'âge de 17 ans au PPA. Yani ndom le PPA هو في عمره 17 سنه. Élu une tchouriba du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD, Tchirbouf, le MTLD, en 1947. Il fait partie de l'organisation spéciale, OS, qui doit préparer les conditions nécessaires à la lutte armée. Ken Rodouf, le Mounaddam al-Khassa, après que l'échec de la voie pacifique fut devenu flagrant, arrêté en 1950, lors de la découverte de l'OS par la police coloniale et incarcéré à la prison d'Alaba. Hakmouf, en 1950, qui découvrait l'OS, a dit Hatouf al-Habs à Naba. Il s'en évade, Rabn al-Habs, le Sejin, en avril 1954. Yani, en avril, il s'est évadé, Rab, et rentre dans la clandestinité pour s'engager dans l'action militante du comité révolutionnaire d'unité et d'action CRUA. Donc là, clandestin, il était obligé, il s'est engagé pour le Mounad Dama Hadi. Le 1er novembre 1954, il est aux côtés de Didouchma Mourad, responsable du Nord Constantinois, qui deviendra la Wilaya 2 de l'Armée de Libération Nationale. Youssef Zirout participe avec Mourad le 18 janvier 1957 à la bataille de Oued Boukarka. Yani, Harb le Marak Hadi Zirout Youssef avec Mourad le 18 janvier 1955 à la bataille de Oued Boukarka, à l'issue de laquelle Didouche Mourad trouve la mort. Yani, le Marak Hadi, le Meshfiha, Didouche Mourad, Ken Sherk Fiha Zirout Youssef. Youssef Zirud le remplace à la tête de la Wilaya 2. Mbad Zirud Youssef comme la place de la Wilaya 2
la place de Dedouch Mourad. Son village de naissance porte aujourd'hui son nom, ainsi que le boulevard Zeroud Youssef à Alger. Donc, Hada, c'est juste un petit exemple sur Zeroud Youssef. Inch'Allah, je vais vous faire d'autres portraits dans les prochaines vidéos avant le bac, Inch'Allah. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo, de cliquer sur j'aime, sur la cloche et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et mes chers élèves, les gens, parce que les gens m'adorent, ils bénissent la vidéo, je vois un S, je vais te bénir, 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 je